Jazz anecdote numéro 48. Saviez-vous que le jeune Duke Ellington, aka Edward Ellington, a failli devenir tout autre chose que le grand jazzman qu'on connaît aujourd'hui? Sa mère l'avait inscrite à l'initiation musicale dans l'espoir qu'ensuite il choisisse l'orgue pour pouvoir en jouer à l'église, le promettant à une carrière pieuse. Mais le classique, ça le gonflait, lui c'était un esprit libre. Et ce qu'il préférait, c'était le baseball. Et à vrai dire, avec son équipe des Senators, bah il était loin d'être mauvais. Et le président de l'époque, Theodore Roosevelt, était même un très grand fan de l'équipe et venait souvent les voir jouer. Mais un jour, c'est le drame, le petit Duke Ellington, en entraînement, se prend une balle en pleine vitesse, en plein visage. Et sa mère, horrifiée, lui interdit de rejouer au baseball. Et quelques mois plus tard, il découvre la musique du grand Harvey Brooks, pianiste de ragtime, qui lui donnera envie de se lancer pour de bon dans le jazz.